Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi sur YouTube, 29 avril 2022, 8h21 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Ça va tellement mal qu'on va quitter la Terre un instant, vous et moi, puis on va s'en aller dans l'espace destination Lune. Rien de moins, j'ai deux nouvelles importantes à vous partager concernant la Lune, nous concernant et les extraterrestres aussi. Donc, on s'en va tout de suite dans la nouvelle qui est partagée ce matin par le US Sun, et qui nous dit qu'on a des plans pour créer une banque d'ADN humain sur la Lune afin que la civilisation extraterrestre puisse nous recréer. Mais moi, je pense que c'est eux-mêmes qui nous ont créés, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de ça. Mais juste pour vous dire jusqu'à quel point on commence à être obsédé, hein, et de plus en plus c'est ouvertement qu'on le fait, avec l'idée de l'existence d'extraterrestres, on voit de plus en plus de scientifiques euh, et la science accepter l'idée de l'existence, hein, de cette euh, possibilité maintenant euh, acceptée par tous. SpaceX vient de lancer beaucoup d'ADN humain vers la Station spatiale internationale. Euh, la mission Crew 4 a décollé le 27 avril et une partie de la cargaison était une biobanque contenant de l'ADN de 500 espèces différentes. Wow, donc c'est du sérieux. Euh, et on a vu euh, ces, ces produits euh, dans les derniers jours, hein, cet euh, amarrage à la station spatiale. L'une de ces espèces était l'homme. Il existe aujourd'hui depuis plus de 2000 échantillons. Plus de 2000 échantillons d'ADN différents provenant de nombreuses personnes différentes déjà dans l'espace. Une société appelée Lifeship est à l'origine de la collecte d'ADN. Il espère un jour créer une banque de semences humaines génétiques hors du monde, sur la Lune. L'idée est similaire à la Global Seed Vault que nous avons sur la Terre, dont je vous ai parlé euh, il y a quelques jours dans une publication. Le Global Seed Vault a la, la capacité de contenir 4,5 millions d'échantillons de semences. S'il se produisait une catastrophe mondiale et qu'une grande partie de la vie sur Terre était détruite, le Global Seed Vault pourrait aider les humains à faire pousser à nouveau des plantes ou à aider une espèce à revenir. Du, de l'extinction. LifeShip vise à faire une chose similaire mais avec des humains et d'autres animaux. Son site web déclare chez Life LifeShip, nous croyons que l'humanité a un rôle important à jouer dans la poursuite du cycle de la vie dans l'univers et de notre planète, nous croyons en la préservation de l'empreinte génétique de l'incroyable biodiversité de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui pour les générations futures. Donc Très euh, sérieux tout ça, hein? on voit euh, comment euh, on prend euh, ça au sérieux et comment il y a des projets maintenant euh, comme ceux-là, euh, très euh, spectaculaires. Et l'article poursuit, le plan est d'envoyer de l'ADN humain sur la Lune en 2023. Lifeship souhaite qu'une capsule temporelle génétique soit placée à la surface de la Lune lors de la mission d'atterrisseur lunaire astrobiotique de la NASA. La société n'est pas sûre à 100% de ce qu'il adviendra de l'ADN humain dans un avenir lointain. Si son site indique, parce que la capsule temporelle génétique est conçue pour un avenir lointain, aucun d'entre nous ne le saura jamais avec certitude. Donc, fascinant. Et l'autre nouvelle, encore euh, peut-être plus fascinante, mais plus euh, étrange, est celle qui est rapportée par France24, qui nous dit que le Canada... Cherche à poursuivre les crimes sur la Lune. Imaginez-vous, comme si on n'avait pas d'autres casse-tête en ce moment que celui-là pour le gouvernement canadien, les législateurs canadiens doivent voter jeudi, donc c'était hier, sur la modification du code criminel du pays afin de permettre la poursuite des crimes commis sur la Lune. <laughs> la modification proposée à la loi, qui devait être adoptée, a été décrite dans un projet de loi d'exécution du budget de 4, 443 pages présenté au Parlement canadien cette semaine. Ottawa a déjà entendu sa étendu sa compétence aux actes criminels commis par des astronautes canadiens lors de voyages spatiaux vers la Station spatiale internationale et euh, ils sont traités de la même manière que les crimes commis au Canada. La mise à jour intervient alors que le nombre de vols spatiaux augmente et avant la première mission avec équipage sur la Lune en plus de 50 ans, dont le lancement est prévu en mai 2024 si on se rend là. Avec un astronaute canadien qui devrait être à bord du euh, vol lunaire Artemis II, sous le sous-titre Lunar Gateway, la modification du code criminel se lit comme suit un membre d'équipage canadien qui, au cours d'un vol spatial, commet un acte ou une omission à l'extérieur du Canada, qui, s'il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis cet acte ou cette omission au Canada. Cela inclurait les crimes en route vers ou sur la station lunaire Gateway. Actuellement en préparation pour orbiter autour de la Lune ainsi que sur la surface de la Lune, indique le document. Les astronautes étrangers qui menacent la vie ou la sécurité d'un membre d'équipage canadien lors d'une mission spatiale soutenue par le Canada pourraient également être poursuivis selon le projet de loi. L'Agence spatiale canadienne participe au projet lunaire Gateway dirigé par la NASA aux côtés de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale. Vous avez vu qu'il n'y a pas de participation ni chinoise ni Russe. Dès 2026, l'avant-poste servira de point de départ pour l'exploration robotique et en équipage de la surface lunaire, ainsi que pour des voyages maintenant vers Mars. Rien de moins fascinant. Chers amis, préparez-vous. On devrait avoir euh, des surprises. Plutôt bientôt que plus tard.